Yo tout le monde les gars, avant que la vidéo commence, gros gros live ce soir à 21h, donc soyez présents ce soir à 21h, je compte sur vous les gars, s'il y a des joueurs RP, je compte sur vous pour venir ce soir, vous pouvez jouer avec moi ce soir en RP, donc vous aurez toutes les infos dans la vidéo de ce soir, donc n'hésitez pas. C'était la petite rediff, voilà, j'ai fait ma demande en mariage, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si vous l'avez déjà fait, et sur ce, à 21h ce soir. Dans le chat, on va faire un petit sondage là, on va faire un petit sondage, parce qu'aujourd'hui, vous savez, je vous ai dit, il y a une grosse surprise, j'ai préparé tout ça cet après-midi. Et avant le live, une heure avant le live, à votre avis, les gars, voilà, clairement, je pense qu'en fait, tu vois, je me suis dit, parce qu'en fait, avec Amber, on est en couple sans être enfin, on est en couple, mais sans être en couple, quoi, enfin, genre, c'est pas officiel. Et moi, je me suis dit, écoute, pour que ce soit officiel, je vais faire une demande, tu vois, je vais faire une vraie demande, mais en fait, j'ai envie de la demander en fiançailles direct, quoi, je vais même pas la chercher midi 14h, tu vois. Donc, dans le chat, à votre avis, est-ce qu'elle va dire oui ou non? Mais t'es où? Ça fait 3 heures que je t'attends. Une voiture chelou là, faut que tu viennes. Une robe beige? Ouais, une robe de soirée avec des paillettes un peu beige. T'es sûr? Beige doré. Bah oui. Ah ouais. Ouais. Quand on a une voiture qui me fixe là, ça me fait un peu peur. Dépêche-toi. Ouais, mais faut faire attention parce qu'apparemment il y a des prises d'otages aujourd'hui. Ah putain. Et c'était quoi la voiture que t'aimais bien toi? Moi? Bah, comme je t'ai dit, Merco, Audi. Mais il y en a une que t'aimais bien. Il y a du monde. Bah, je sais pas, Ferrari. Non. Audi. Une! T'arrêtes pas de me dire ouais celle-là, celle-là, celle-là. Fais pas, choisir une. Je les aime toutes. Mais Hélène, tu m'as dit je veux celle-là, elle est bien. Je m'en souviens plus du tout. Ça Je commence pense par un que c'est R. soit Audi R. RS6. Ouais. Ah. Par contre, il y a un gars bizarre qui recule là, non? Ouais, quand tu sais? Surprise! Suis mort. T'aimes T'es bien? choqué là. Waouh! T'as vu ce que Ah j'ai fait pour toi? ouais! T'as vu ce que j'ai fait pour toi? La tenue, la voiture, incroyable! Eh, je suis pas sorti, franchement. T'es trop beau comme ça! Ah merci, toi aussi, t'es magnifique. Attends voir, je regarde un peu mieux. Ah ouais, trop belle. Merci, c'est. Elle te va bien la robe. Merci. Vas-y, bah monte, hein. Je suis choquée, merci beaucoup! Incroyable la voiture! T'as fermé la voiture? Ouais, c'est bon. Ouais, j'ai fermé. Parce qu'on s'est Putain, gêné. je pensais pas que c'était toi là qui rôdais, tu m'as fait peur. Non, t'inquiète, je te laisserai pas. Je te laisserai personne faire du mal, tu sais ça. Ouais, je sais. Et bah écoute, tu vois, aujourd'hui, je voulais bah déjà savoir si t'étais. Enfin, t'avais rien à faire ce soir, quoi. Bah ce soir, non, j'ai rien à faire. Parce que j'avais une petite surprise. T'as rien de rien à C'est faire? quoi la surprise? Bah non, j'ai rien à faire. Bah, est-ce que tu me suis? Tu me suis pas? Bah oui, je te suis. Ok, c'est carré. C'est bon. Si tu Tu me m'emmènes suis. où là? Là, c'est la première partie de la surprise. Après, il y a plusieurs parties, tu vois. Ah, je vois. Et te retourne pas. Ok. Tourne pas ta tête, hein. Ta grosse tête, là. Non, je regarde pas. Vas-y. Je vais mettre le feu d'artifice, les gars. C'est bon. Tu peux te retourner. C'est la pire demande de mariage, les gars. Waouh. C'est la pire demande de mariage, je suis mort. C'est magnifique. Oh, c'est trop bon. C'est waouh. Moi je te vois pas bien. Ah, comme ça on va mieux.
Bah, ça dure longtemps. Wow, ça dure combien de temps les feux d'artifice là? Ok, je fais la galoche. Je sais pas du tout. Je crois que c'est fini. Je crois que j'en ai encore un, attendez. J'en ai encore un, autant le faire péter. Hein. C'est parti. Hein. Tu sens trop bon aujourd'hui. Merci. Toi aussi. Tu me fais un petit câlin? Ouais, je t'en fais un. J'attends. On dérange peut-être du coup. Il y a les flics. Bon, en attendant, faudrait peut-être pas te tirer de coup de feu. Bonjour. Bonjour. Vous avez tiré plusieurs feux d'artifice? Non, c'est le premier là. Ok, vous avez tenu des coups de feu? Des coups de feu? Non. Ah non. Ok, très bien. Ok, bon. Ok, passez une bonne soirée. Merci, bien. Vous aussi. Bonne soirée. Ça dure longtemps. Ouais. Attendez. Allez, ça y est, ça part en freestyle. Ça y est, c'est le final, c'est le final. Comment on pourrait vous le dire? Trop beau. Wow. Tu sais que j'aime trop être avec toi. Moi aussi. Je m'ennuie jamais avec toi. Moi aussi, je m'ennuie jamais. Et c'est vrai que depuis que je t'ai vu dans cet avion, bah, j'ai craqué quoi. Moi au début, je t'aimais pas, mais au fil du temps, bah, je me suis attachée à toi. Bah, tu sais, c'est vrai que je suis pas quelqu'un d'attachant, je suis pas quelqu'un de forcément, enfin, forcément qui montre ses sentiments. Ou... Mais après, au début, je me suis dit, ouais, c'est une fille à papa, c'est une bourgeoise, elle va pas me calculer, elle s'en fout un peu de moi et tout. Et en fait, je me suis rendu compte que t'as vraiment un cœur, quoi. Ce que tu me dis, ça me touche réellement. Moi, je suis venu ici, j'ai laissé ma famille, j'ai laissé mes frères, mes sœurs, mon père, ma mère. Je suis venu ici tout seul comme un grand et t'as réussi à me relever. Tant mieux alors. Et voilà quoi, je voulais savoir un peu ce que tu pensais de moi. Bah, comme je t'ai dit au début, je t'appréciais pas, mais au fur et à mesure du temps, bah, je me suis attachée à toi. T'es quelqu'un de drôle, attachant, et même si t'es pas l'homme le plus riche du monde, je vais lui faire un truc à rigoler, les gars. Et voilà, Mary. Humbert. Oh, sous le ciel, sur la plage avec Humbert.
Elle est pas prête encore. Amber, je chante comme une grosse merde. C'est pas grave, continue. Non, je rigole. C'était pas prévu ça. Par contre, il y a un truc dans le truc qui arrive. Attends. Ok, je encore. t'attends. En effet, elles sont plus belles que les roses de l'hôpital. Tu vois, je t'ai dit quoi? Il y a Merci. exactement. Tu sais comment? À ton avis, il y a combien de roses? Alors là, je peux pas les compter, hein. Il y Il y en en a a beaucoup. tellement. Waouh. Tu sais, il y en a combien? Non, combien? Il y en a des milliers. Des milliers. Comme les milliers d'étoiles dans le ciel. Tes beaux yeux, j'aime trop te regarder, tu sais, c'est. T'es vraiment belle. Toi aussi. T'es trop beau. Accepte ce bouquet. Je l'accepte. T'as peur un peu de la. Tu sais nager? Ouais, je sais nager normalement. Comment ça, normalement? Normalement, si je coule pas, quoi. Bah, suis-moi alors. Franchement, là, je suis émue. Hein. Bon, c'est vrai que c'est une question bizarre, mais est-ce que t'as déjà eu un copain? Bah bien sûr. Et toi, du coup? Ouais. T'en as eu combien? Ouais, c'est pas beaucoup, genre. Après, c'est des trucs d'enfance, quoi. Quand j'étais au lycée. Pourquoi t'en as plus eu après? Bah parce que j'ai eu des petits soucis avec la famille et tout, donc du coup. J'ai un petit peu arrêté quoi. Je vois. Enfin je veux dire. T'as déjà fait un truc avec eux? Bah, honnêtement. Bah dis-moi la vérité, hein. C'est pas grave si c'est lui ou non, mais enfin. Dans tous les cas, je le prendrais bien. Tu veux que je te dise honnêtement? À ton avis? Je sais pas, t'es comme une belle fille. Je pense que tu dois avoir pas mal de garçons à tes pieds. Donc je dirais que je sais pas, parce que ça peut être le cas, comme ça ne peut l'être. Attends, laisse-moi réfléchir. À votre avis dans le chat, est-ce qu'elle l'a déjà fait ou pas? Parce que c'est vrai que t'es belle quand même, non? Je suis pas moche. Toi, tu te regardes dans le miroir. Bah, je me dis que je suis jolie, quoi, mais après, il y a toujours mieux que ça. Bah, c'est sûr. Oui, ah ouais, il y a beaucoup de vie, hein. Wow. C'est quoi? Vas-y, je vais dire non. T'as eu juste. C'est-à-dire? Bah non. T'as jamais rien fait? Jamais. Donc les gars, ceux qui ont J'ai dit du oui. mal à avoir confiance. Ceux qui ont dit oui, les gars, vous êtes trompés. Tous ceux qui ont dit oui, les gars, sur Twitch, la Paco. Ambar, Paok, Kiki. Bah du coup, pour être honnête avec toi, moi je pense que moi je l'ai déjà fait, mais plusieurs fois. Tu regrettes? 30 fois. 30. Je rigole. Ah ouais, ça compte. Mais du coup, tu regrettes ou Non, pas? je rigole, je rigole. J'ai jamais fait. Ah, jamais? Non. Et pourquoi? Pas parce que, comme je t'ai dit, ma dernière relation c'était au lycée, et puis t'as vu, au lycée, c'est pas trop des relations de longue date, quoi, si on peut dire ça. Enfin, genre c'est des bisous-bisous, quoi.
Je vois, je vois. Bah, c'est le lycée, quoi. C'est ça. Putain, j'espère juste qu'il y a personne sur l'île parce que ça craint, non? Tu penses? Je sais pas, jamais venu. Et toi? Jamais aussi. Ouais, il y a le coucher du soleil, les gars, c'est une le fois, moment. J'avais juste. C'est le moment de la demande en mariage, les gars, c'est le moment. C'est pas loin de la plage. C'est le moment de la demande en mariage, les gars. Vas-y. Trop beau le coucher de soleil. Attends, des fois je trouve une bonne musique. Je peux te mettre en face de moi. Ou non, hein. Attends. De ce côté, non? Je regarde, c'est quoi le mieux. Ouais, non, de l'autre côté, ouais. Comme ça, t'as le coucher de soleil. Voilà. Bon, les gars, est-ce que je lui dis dans le chat? Est-ce que je lui dis? Attends, déjà, je t'ai fait un câlin parce que tu sens trop beau. Alors, Amber. Si je t'ai ramené ici, c'est pas pour rien. Alors, le jour où je t'ai rencontré. Salut. Moi aussi, le jour où je t'ai rencontré, franchement, j'ai flashé. C'est qui parle? De quoi tu parles? Je sais pas, j'ai pas entendu. On était en attente sur Belife. Ah merde! Non, bah c'est bon, c'est réglé, les gars. Vas-y, pas de soucis, bonne soirée à toi. Merci, les gars. Merde, il y avait des serpents qui me parlaient dans ma tête. Alors, du coup, je recommence. Alors, le jour où je t'ai rencontré. Sur cette île, magnifique île, qu'on appelle Los Santos ou By Life. T'étais assis à côté de moi, je me rappelle, le siège B15. Tu regardais par la fenêtre. Je me souviens de ton joli regard. Et c'est vrai que t'étais assis à ma place d'ailleurs, tu m'as volé ma place. Hein. J'étais en B15, hein. T'étais en B14. Tu te souviens de sa petite voleuse? Bah oui, bien sûr. Mais je savais pas te la laisser. Je peux pas te dire de partir, t'es trop belle. Et du coup, je me suis assis à côté de toi et voilà, enfin, je veux dire, dans un avion, tout le temps, on est forcément à côté de gens qu'on connaît pas. Et... On leur parle pas spécialement, on leur parle, quoi. Et toi, c'était particulier, quoi. Je me suis dit... cette fille, c'est quelque chose, quoi. C'est vrai que, tu vois, la preuve, je marche avec toi en ville, tout le monde te drague. Ouais, ça m'énerve un peu, je vais pas te mentir, ça m'énerve un peu, parce que je suis quand même quelqu'un de très jaloux et... Et de te voir avec quelqu'un d'autre, je pense que ça me ferait du mal. Donc voilà, c'est vrai qu'on s'est chamaillé pendant ces quelques jours. On s'est côtoyé, ça fait à peu près... si on parle ici dans le temps, 2 mois. Mais bon, dans nos têtes, ça fait 2 semaines. Tu m'as compris. Et plus je te vois, plus
plus je suis avec toi, plus je me dis que t'es la fille parfaite. T'es celle qui, quand je me réveille le matin, j'ai envie de voir. T'es celle que, avec qui j'ai envie de finir ma vie. Et du coup, voilà, c'est dans cet avion, c'est vrai que j'ai tilté. Ensuite, on a parlé ensemble, on est resté ensemble, on a toujours resté ensemble depuis le premier jour, on est ensemble. Et on s'est pas lâché tous les jours, quasiment, ensemble. Si ce n'est les jours où on dormait sur le lit, à jouer à la play, à rigoler comme des fous. Voilà. Donc moi, je vais pas passer par quatre chemins, tu vois. Je suis quelqu'un qui... quand même quelqu'un... va au bout des choses et va directement dans le vif du sujet, quoi. Je passe pas par à gauche, je passe pas par à droite, je vais tout droit. Donc... Amber... Est-ce que tu veux faire ce bout de chemin avec moi? Ray? Ouais. Tu es tout le temps dans mes pensées. Je me couche en pensant à toi. Je me réveille en pensant à toi. Oh le gars. J'ai passé la journée avec le sourire en pensant à toi. Tu me rends heureuse. Moi aussi. Donc, je voulais savoir si, voilà. Si. Si tu voulais. Tu voulais accepter cette bague. Waouh! Là, ce que tu me fais, ça me déçoit. Ça me déçoit pas du tout et bien sûr que j'accepte. Je te laisse la mettre du coup. Enfin, je te la mets du coup. Mets-la moi. La bague au doigt, incroyable. Je suis mort les gars, ce jeu c'est nimple les gars. On l'a fait, elle a dit oui. Elle a dit oui. Waouh. J'ai mon cœur qui bat. Moi aussi là. Puis tout est mieux. Waouh. Est-ce que t'as un mot à dire à tous ceux qui nous regardent? On est 500. T'as un mot à leur dire. Un mot à dire. Et tu es le meilleur. C'est tout. Et ouais. Eux, c'est pas les meilleurs. Eux aussi. C'est vrai que c'est les meilleurs. Merci à tous les gars, maximum de cœur dans le chat. La bagode, elle a dit oui, elle a dit oui. Elle a dit oui. Amber, en couple, fiancé. Ouais, elle me galoche les gars, ça y est. Elle a dit oui les gars, elle a dit oui. Super, super. Waouh, 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 les cœurs, c'est trop les gars, let's go, c'est trop les cœurs, c'est trop les cœurs. Merci à tous les gars. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si c'est pas déjà fait, activer la cloche les gars, à follow sur Twitch. Il prend la main. T'as la main chaude, hein? Ouais, j'étais un peu stressée, je vais pas te cacher. Tu sais que tu dis non, je me jette d'un pont. Enfin, t'aurais dit non. Je vais essayer. Bon, bah voilà, il reste plus qu'à l'annoncer à WM et tout. Hein. Il est là? Je sais pas, je crois qu'il a un concert sur une autre ville. Ah, dommage.
T'as déjà été sur ce Caillou? Ce que tu as fait, c'est incroyable. Tu m'as dit quoi? T'as déjà été sur Caillou? Ouais. Enfin, genre... Mais pas ici, quoi. Y'a quoi à faire là-bas? Rien de spécial, honnêtement. Ouais. Je crois qu'on est bloqué. On te voit? Nuit, je t'aime, t'es le meilleur youtubeur de terre. Abonnez-vous tous à la chaîne de LPR Noah. T'es malade. Oh, débloque-nous, débloque-nous. Vas-y. Vas-y, vas-y. Comment? Bon, ah, c'est mort là, on va faire comment pour débloquer ce truc? Prends mon jet ski, si tu veux. Mais non, mais tu vas être bloqué toi. T'inquiète, j'en ai. Attends, vas-y, poussez. Je t'aime trop, la tête de ma mère. Poussez. Vas-y, pousse. Et on pousse. Tu connais, hein, les plus solides. Oui, ça, j'imagine. On s'est pas assis une seule fois, Pélo. Ah oui. Ah non, mais moi je me suis assis, moi je me suis dit. Ah ouais, je vais essayer de faire un peu de drift sur le sable. Oh là là. Ah non, mais oh là là. D'accord. Je sens qu'on va rester bloqué à Caillou. Non, ah ouais, non, mais on y va cagouler en plus. On est là pour vous baiser. Ah, j'aurais dû mettre la même tenue que vous. Ah yeah, ouais. On coucou, on va vous soulever. Moi je prépare la tenue de plongée. Les gars, on a fait l'un. Bon, ceux-là qu'on a hébergé. Oh bah il est là, Aaron. Il est là. Où? Oh bah il est juste à côté de toi. Bah oui, il est arrivé de... Comment? Bon, les deux personnes qu'on a hébergées. Il y a quelqu'un qui est tombé là, on est d'accord. Ouais, c'est devant lui. Il est au bord, il est au bord. Hein? Là, c'est les deux mecs qu'on a hébergés, ils sont dans la merde. Ah bon? On les a mis les gars, là, on va faire quoi là? Là, vous êtes complices là. Non, on va aller dans notre villa. On a une villa sur Caillou. On va voir le cartel là. Ah, Igor. Il est parti. J'ai enlevé son sac. Wow, ça y est les gars, c'est trop, ça y est, ça part en fou, c'est bon.